Après les révélations du JDD sur l'identité du marabout que Paul Pogba aurait engagé pour nuire à Kylian Mbappé, ce dernier, prénommé Biram, a brisé le silence ce mardi 6 décembre dans les colonnes du Parisien. La famille Pogba est au cœur d'une sombre affaire. En effet, Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, a publié une vidéo au cours de l'été 2022 dans laquelle il avoue avoir eu recours à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé, son coéquipier en équipe de France. L'attaquant de Manchester United aurait, selon les dires de Mathias Pogba, très mal vécu la notoriété du footballeur et aurait ainsi payé les services d'un professionnel pour lui jeter un mauvais sort. Et dans son numéro du 4 décembre, le JDD a fait quelques révélations sur cet homme, qui se fait appeler Grande. Les forces de l'ordre avaient réussi à mettre la main sur le marabout grâce à Mamadou M. L'un des hommes mis en examen. Moi, j'ai toutes les photos de l'argent que tu m'as donné pour donner à Grande. J'ai tout calculé, si est une dinguerie, a révélé un employé à Paul Pogba, dans un audio dont s'est procuré le journal. Ce mardi 6 décembre, le Parisien révèle avoir rencontré le marabout employé par les Pogba. Prénommé Biram, ce père de famille de 39 ans, né au Sénégal, est catégorique, toute cette histoire n'est que pure calomnie. Le marabout présumé de Paul Pogba sort du silence interrogé sur ses liens avec Kylian Mbappé et Paul Pogba, ce dernier confie qu'il ne leur a adressé la parole qu'une seule fois. Il jure que le frère de Mathias Pogba ne lui a jamais demandé de nuire au prodige de Bondy. Paul ne m'a jamais demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé, ni pour ce PSG Manchester United, ni pour une autre occasion, a-t-il confié. Et d'ajouter, la seule et unique fois où nous avons parlé de Kylian, c'était lors d'une conversation téléphonique pendant la Coupe du Monde 2018. Même s'il connaît Paul Pogba, le marabout présumé reste vague lorsqu'il s'agit d'évoquer sa première rencontre avec le joueur de la Juventus. Nous avons été mis en relation grâce à un ami commun au moment où Paul jouait encore à la Juventus Turin et s'apprêtait à rejoindre Manchester, s'est-il souvenu, avant de donner plus de détails. C'était lors de la saison 2015-2016. Ensuite, nous communiquions de temps en temps par téléphone et nous nous sommes vus deux fois à Manchester, a-t-il conclu. Lors d'une audition début août organisée par les policiers de l'Office central de lutte contre le crime organisé, Paul Pogba avait évoqué la relation avec son marabout en évoquant les dons qu'il a fait pour l'Afrique, en avouant s'être fait avoir. Par la suite, j'ai appris que c'était un charlatan qui ne faisait que prendre l'argent, avait confié le sportif. Des propos qui n'ont pas empêché Biram de ne dire que du bien du frère de Mathias Pogba. Devant les policiers, Paul a peut-être préféré prendre ses distances avec moi. Pour ma part, je refuse de salir son nom et je me souviens de lui comme d'une très belle personne, a-t-il conclu avec la plus grande humilité.